Maxime Ouvra from Jardilux. What do you mean, la décision, elle est pas tequen? Vous parlez pas boulot aujourd'hui. Non. En plus, il y a Romain, il est trop content de te voir. Max! Yes! Non, mais Romain est trop content, il est toujours content, Romain, de toute façon. Romain, un piano, il tomberait sur la gueule, il dirait, j'adore la musique. Hein. Il est là, Maxime! Hubert. Comment ça va, le meilleur d'entre nous? Hubert, il faut vraiment que je vous parle du contrat. Max, c'est un déjeuner de famille, on est dimanche, on parle pas business. Max! Oh, merde! Mais merde, ma veste! La mère la pute, putain! Vocabulaire, putain, hein! De pute, là! On est dimanche! Mère, la pute. J'en peux plus de tes humeurs. C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer. Bah, c'est super, prends-le avec toi! Ah, mais super idée! Oh, no. Tu vois, c'est joli! Ouais, c'est joli, on va à Poudlard! Je te préviens, je tiendrai pas 4 jours, hein. Désolé. Ah, on t'a dit 4 jours? C'est 14. Allez, ciao! Je vais aller fouiller dans vos tripes pour faire bouger vos énergies. Ils sont tous instables, en fait. Wow! Non, mais Wolverine. C'est les X-Men, en fait. Faut qu'on me touche le clito. Oui, ouais. Toi, t'es dans la vérité. Tu veux plus rien me cacher. Faut que j'aille faire caca. Faut trier, quand même, hein. T'es pas obligé de tout me dire. Et les saucissons, du pâté, un truc à bouffer, là. C'est un stage pour les tortues, en fait. Maman, je t'ai dit que je n'étais pas joignable cette semaine. Ton père est en train de faire visiter le magasin à un agent immobilier. C'est pas assez grand ici pour me coller comme des tiques. Le connard du groupe, quoi. J'ai entendu, par contre. Mettez votre masque. Non, mais ça va aller, monsieur. Mets ton masque, lépreux, je t'éteins la lumière. Tu veux pas me toucher le clito? Pardon? Et vous êtes en danger, j'ai vu un reportage sur 90 minutes d'enquête exclusive. Si vous sentez en danger, vous faites le code. Motherfucker. Je vais encastrer tout le monde. Alors, t'aimes bien la nourriture vegan? Bah ouais, tu vois, j'ai décidé de vivre comme une chèvre. Puis après, je vais aller me faire tirer le lait pour faire des yaourts bio.